Tu viens? Ouais. Allez. Écoutez, bienvenue à vous pour une expérience unique, une expérience de galanterie que monsieur vous offre. Donc, Regardez comment j'espère que elle vous marche. allez. J'ai envie de la Et niquer. j'espère que vous allez apprécier. Bon, si vous voulez, Comment je peux je courir, marche? parce que c'est vrai que j'ai une Quoi? démarche assez Salut. lente. Non, pas vous, elle. Regardez Quoi, comment elle moi? marche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu marches bien, t'inquiète. Juste pour votre confort, n'oubliez pas de manger, de boire. On ne sait jamais que vous faites un petit malaise en plein vol. Rassure-moi, t'as pris à boire et à manger, hein? Oui, non, mais quand Ok, même, je parfait. suis blonde, mais Non, mais on sait ça jamais va. avec toi. Pardon? Et du coup, on est parti. Allez. Ok. De la chance, on est de nuit. C'est vrai qu'on va pouvoir profiter de l'incroyable vue de la Santas. Ça va, Kata? Kata? Ouais, désolé, c'est la panique un petit peu là. Pourquoi tu paniques? Je sais pas, c'est ma première fois donc bon. Bah, y a une première fois à C'est tout. stressant. Ouais. En tout cas, c'est très beau. Ah, il pleut. Ah. Petit clope. Pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut, il a dit? Pourquoi La pluie est vite il pleut? passée, ça y est. Merci. Ok. On va se concentrer. Je stresse, je sais pas pourquoi je stresse. Pourquoi je stresse? Il me faut du sucre. Ok, non, on va. Ah, tout va bien? Ouais, nickel, hein? Nickel, nickel. Et toi, Kata, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ok. En tout cas, très jolie vue. Et je parle pas de dehors. Non, c'est... Merci, c'est gentil. Je parlais du pilote, mais ça va. Merci beaucoup. Non, je rigole. Je parlais de toi. Je Ah, parlais de... c'est moins sympa, ça. Non, je parlais. Je parlais de madame. Et vous aussi, monsieur, vous êtes très charmant aujourd'hui. Merci beaucoup. Waouh, c'est beau. Alors, ici. Ah oui, tu m'embauches direct, hein, je te signale. Parfait. Merci beaucoup. Je vais aller discuter un Pas de peu avec elle et puis soucis, on revient. faites à votre aise. Prenez votre temps, il n'y a pas de soucis. Est-ce que vous voulez qu'on se mette sur une radio 464? Comme ça. Ça me va, 464, c'est parti. Désolé. Nickel, vous m'entendez? What? C'est où? Ok, tu tombes pas, hein. Non, j'espère ne pas tomber. Suis-moi. Si je tombe, je te tue. Tu tomberas De mes pas. propres mains. Test radio au cas où? Test radio reçu. Nickel. Ok. Faut que je monte là? Non, si t'as le vertige. Ouais, je vais rester là. Ouais, reste Juste là. là, Bon, c'est on bien. va s'asseoir là, d'accord? Ouais, très bien. Je sais pas pourquoi là, je suis stressée, putain. Pourquoi t'es stressé? Je sais pas, c'est toi qui me stresse. En fait, je t'ai amené, je fais un tour d'hélicoptère avec toi, etc. pour plusieurs raisons. Elle a sauté? Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Je te jure que non, Dis-moi. heureusement qu'elle a un parachute, heureusement. Oh Attends, putain. je la suis. Ça ressemble au quoi? Je te le jure que j'ai pas fait exprès. Ok. Putain, je suis vraiment pas douée là, j'en ai marre. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va revenir nous chercher. Putain, je pensais que t'avais pas de parachute, j'ai stressé. Non mais moi aussi j'ai paniqué, je me rappelais pas que j'avais mon parachute. T'avais du cran, hein, vraiment, hein.
J'avais envie de prendre l'air un petit peu. Oh, bah là, c'est plus que de prendre l'air, mais au moins vous avez battu votre peur du vertige. Hein, ça, c'est... Je pensais vraiment qu'elle avait fui le date. Hein. Ah, vous y êtes allé. Du coup, vous voulez retenter la maison ou on va éviter? On va aussi à un autre endroit. Hein. C'est pas mal, un autre endroit. Non, après, c'est bon, t'inquiète, je saute pas là, je me mets contre les murs. Bah, je rase les murs. On y va tout de suite. Ah, ok, parfait. Merci, monsieur. Voilà, je vous invite du coup à aller faire un petit tour, à profiter de la vue, du lever. Ok, viens, on va aller là-bas. Je t'ai amené ici pour plusieurs raisons. Ah, du coup, c'était. De base, c'était à la maison, mais. Ouais, bah ouais. Bref. Comme je te l'ai dit, je voulais. Pourquoi je suis stressé? Non, t'inquiète pas aussi. Ok. Je voulais apprendre à te connaître en dehors du Bahamas. Et je voulais aussi savoir ton passé, te connaître tout simplement. Mais aussi autre chose, je t'ai amené aussi pour une autre raison. Parce que juste te connaître en soi, c'est juste. Ça aurait pu être juste amical. Tu sais très bien, si j'ai fait des concessions ce soir, et je pense que j'en ai fait beaucoup, ouais. Je pense pas que c'est pour rien, tu vois. Je pense pas que... Tu sais tout. T'as un passé compliqué. Hein. Bah comme toi. Hein. En vrai, c'est kiff-kiff. Hein. Le tien est quand même plus gros que le mien. Oui, mais bon après... Moins que du sentimental. C'est pas comparable, c'est deux choses différentes. C'est... Dans tous les cas, il y a... D'un côté, ça se rejoint parce que c'est sentimental, tu vois. Genre, par exemple, on a un point en commun, c'est qu'on a tous les deux été trahis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ce point-là, bah... Plus d'une fois. Ouais. Mais toi, t'as été trop gentil, tu vois, c'est ça ton problème. Mais quand t'es attaché, malheureusement, tu peux pas... Bah, en fait, le problème, c'est que c'était mon seul repas ici, en ville, tu vois. J'avais rien d'autre que lui. Je me présente. Calistone, votre nouveau repère. Non, mais c'est depuis que tu sais que depuis que je suis rentrée au Bahamas, ça m'a pas mal aidé. Bah, j'espère bien. Alors j'espère que vous avez bien pris l'air. Voilà, maintenant je vous invite à vous installer ouais, et à profiter nickel, du moment merci. Ensemble. Comment tu vois ton avenir? Là actuellement. Mmh. Je t'avoue que, ben, comme je te l'ai dit, je vis au jour le jour parce qu'en fait j'ai tellement prévu de choses qui ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu que j'ai plus envie de prévoir. Et toi? Moi je sais pas, pose pas la question, je sais pas. Je vis jour le jour, je pense que je suis pareil. Parce qu'en fait tu prévois tellement de trucs et puis au final t'as tout qui est niqué. Ouais, ça se passe pas du tout comme on prévu. Te coupe l'herbe sous le pied. Voilà, tout à fait. Putain, pour une fois que j'arrive à dire une expression correctement. C'est la première fois que j'arrive à dire une expression correctement, vraiment. Ah ouais? À chaque fois, j'utilise des mots qui sont pas bons dans l'expression. On est bien ou là? Non, pas encore assez. Bon, vous inquiétez pas, il y a un moment où on ne pourra pas monter plus haut. Je commence à avoir le tournis, hein. Ok, bah, je pense que tu l'as compris, on va faire un sans parachute. Ouais, je l'ai compris, mais tu sais que le sans parachute, vu que je l'ai déjà utilisé, là, il... Mais non. Faut qu'on se l'échange. Ah ouais? Oui. Sinon, on est mort. Hein. Ok, viens, on s'échange. Donne le tien. Mais je viens de le faire. Je crois qu'on m'avait donné un soin par exemple. Oh merde. essaye de redonner peut-être. Ok, et remets-toi vraiment derrière moi pour le coup. De mon côté, ok, nickel. Hop. Tac. Est-ce que tu l'as reçu ou pas? Oui, c'est bon, je l'ai reçu. Mais moi, je l'ai pas, putain! Il faut que ça soit elle qui le reçoit. Ah, merde. Je vais sauter son parachute. Attends. Attends, je vais essayer de me mettre à côté d'elle. J'ai envie de tenter une folie, mais je sais pas si c'est le non, bon coup de passer. Ah oui, changer de place de pilote? Oui, je vais essayer. Vas-y, tente. Bon, faut vraiment qu'on soit vif, hein. Ouais, vas-y. Ok, Kata, prends le pilote, Kata, pilote. Non, c'est je bon, me bats, bon. Oh non, l'hélico il est rapide. L'hélico il est rapide, oh non, je peux pas reprendre la place. Non.
je peux vraiment pas reprendre la place. On pique fort là. Attends tout le monde. Je crois que c'était mauvais. J'ai pas de parachute. J'ai pas de parachute. Non, moi non plus. Attendez, attendez, je vous donne. Moi j'en ai un. Je saute. Saute, Kata, je te donne le parachute. Saute, le pilote. Kata, tiens, prends. J'ai pas de parachute. Ta gueule. Ok, vous avez appris quoi au juste? Ben Léo, je te laisse. Pourquoi moi? C'est toi, t'as l'épreuve. Non, c'est toi, t'as l'épreuve. Moi, j'ai l'épreuve, mais frère, j'ai pas envie de le blesser. Mais moi aussi, je vais le blesser. Eh, parlez, viens parler, c'est en train de m'énerver. Tu vois, ta proie là. Ta meuf là, qui t'a donné un terreau 500 000. Oui. Elle se fait fouetter les fesses. Ce que t'arrives pas à comprendre, Shura, c'est que j'ai été trompé une fois. Là, il se passe des dingueries avant qu'on soit en couple. Mais t'as pas trompé. Ah, m'a pas trompé. Tu crois que je vais la laisser twerker? Là, j'ai été gentil parce qu'on n'est pas en couple, hein. Mais la tête d'Oam, on aurait été en couple. Je crois que, ami ou pas ami, hein, je l'aurais descendu, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Mais tu crois que c'est avec ce genre de parole que tu vas réussir à la rattraper? Ah, parce que c'est à moi de la rattraper maintenant? Non, je crois que tu mélanges les rôles. Là. Mais non, c'est à vous deux de faire l'effort de vous rattraper vous deux. Là, je crois qu'elle a rien à dire. Elle veut rien dire. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Mais tu fais quoi? Redescends là, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Je vais m'asseoir là. Lève les mains. Laisse-moi m'asseoir ici. C'est bien, Shura, on peut te faire confiance, hein, en tout cas. Bravo. Tu veux pas qu'on retourne sur la plage ou quelque chose? Non, je suis bien ici. Ouais, mais t'es bourré. Tu tombes dans l'eau, tu meurs. Coma éthylique plus noyade, c'est pas bon. Hein. Bah, faut essayer, hein. Est-ce qu'il peut avoir envie des licornes? Lève-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je me lève? Je veux qu'on retourne sur la terre ferme. Oh. Toi, et monte sur le bateau, Ashura, s'il te plaît. Tu t'en bats pas les couilles? Tais-toi, monte sur le bateau, s'il te plaît. Faire une baignade. Lève les mains. Viens, va faire... Lève les mains. T'as de la chance que j'ai pu me menotter, je te le dis. T'aurais fait quoi? Tu joues avec mon cœur, de toute façon, donc vas-y, jette-moi à l'eau directement, ça ira plus vite. Je joue avec ton cœur? Non, je suis sincère avec toi depuis le début. T'es sincère, mais tu vas twerker. Je te laisserai pas te faire du mal. Et je te ferai pas de mal. Pourtant, c'est ce que tu fais. Je sais, je l'ai fait, mais c'était pas intentionnel, vraiment. Depuis hier soir. Quand j'apprends que tu vas chez ton ex. J'ai peut-être menti sur plein de petites choses et tout, et je sais que j'aurais pas dû, et je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je suis en tort. Mais je t'ai pas menti sur mes sentiments. En fait, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que t'attends de moi réellement? C'est ça la question. Qu'est-ce que t'attends de moi réellement? Je sais pas. Pourquoi tu regardes le balcon? Tu veux faire Roméo et Juliette ou quoi? Oh, Juliette. Pourquoi tu veux m'oublier? Alors, première raison. Non, en fait, c'est pas les raisons. En fait, il y a tellement de raisons. Je sais. Pourquoi j'arrive pas, surtout? C'est surtout ça aussi la question. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est une très bonne question. Ah, mais c'est une question, seulement moi je sais la réponse. Bah, dis-moi. Peut-être parce que j'ai eu un coup de foudre en te voyant et que. Que ça a changé, mais les sentiments ils restent toujours présents, et quand tu fais des trucs comme ça, forcément ça fait du mal. Comment ça, t'as eu un coup de foudre?
On n'est pas dans le même pied des stades. Je pense, niveau sentiment. Tu crois que je te défends, je prends soin de toi, tu crois que je le fais juste parce que je suis un bon ami, parce que tu... Non, c'est juste parce que... J'ai pas dit que je voulais être en même temps. C'est juste parce que t'es une fille qui est très jolie, parce que... Je t'aime bien. Même si t'es conne. Juste bien. Bien, j'ai la définition de bien, j'ai ma propre définition. Je suis conne. Et le truc, c'est que... Si t'as des attentions de... refaire un twerk ou je ne sais quoi ou autre. Ou du moins... jouer avec mon cœur comme une partie de ping-pong. Là, je préfère me bourrer la gueule, oublier et repartir comme si de rien n'était. Hein. Est-ce que là, tout de suite, on peut repartir de zéro, sur de bonnes bases? Et je te promets que vraiment, je ne ferai rien qui te fera du mal. Parce que tu mérites pas. T'es quelqu'un de bien et je le vois. Et j'ai pas envie d'écouter ce qu'on me dit sur toi. J'ai envie de... Qu'est-ce qu'on me dit au juste sur moi, exactement? Que je suis pas la seule à qui tu fais tout ça. T'es pas la seule alors que je te l'ai prouvé. Oui, j'ai déjà fait des dates en hélico. C'est vrai. Mais chaque moment est différent. Et je fais en hélico parce que c'est mon trip. J'aime bien l'hélico. Mais, comme je te dis, chaque personne est différente. Alors si oui, j'ai déjà fait... Si ça, c'est un crime, faut me le dire. Non, mais apparemment, si tu as une fille plus belle que moi, ben... Non, j'ai jamais... Si je vois une fille plus belle que toi, je te laisserai. Oui, parce qu'apparemment, certes, je t'ai tapé dans l'œil, mais si jamais tu vois une fille qui te tapera dans l'œil à son tour, tu passeras aux oubliettes. Tu passes tellement aux oubliettes que j'ai recalé deux filles. Deux filles. Deux filles. Ah ouais. J'accepte tes excuses. C'est vrai? Ouais. Est-ce que j'ai le choix? Alors, on a toujours le choix dans la vie, tu sais. On a toujours le choix, mais... Une fois, pas deux. Mmh. Et joue pas avec moi. Vraiment. Je joue pas avec toi. Parce que si tu joues avec moi... Je vais pas chercher à jouer avec toi ou je ne sais quoi. Mon but, c'est pas de te faire souffrir. Donc ne le fais pas. Ok. Désolé. C'est bon, c'est réglé. Tu m'en veux plus? Non, c'est bon, je t'en veux plus. J'étais trop mal. Bah, demande comment j'étais aux Bahamas. Je voulais démissionner. Pourquoi? Parce que ça allait être trop dur de te croiser. Parce que je pensais vraiment que... c'était mort. Que t'allais m'en vouloir à mort. Je sais faire la part des choses. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est le perso, c'est le perso. Et je t'aurais pas incriminé en quoi que ce soit. Vraiment, je sais faire la part des choses. Maintenant, la question, c'est toi et moi, on est quoi? C'est à toi de me dire. Je te l'ai dit, je suis très timide, hein, et je ne l'aurais pas fait. Hein. Donc. Bah donc, on est ensemble. Faut que je réfléchisse. Ok. C'est bon. On est ensemble. Thank you.
Pourquoi il y a un putain d'hélico? Je sais pas, il s'est peut-être égaré, il est peut-être en panne. Viens. Vous êtes en panne, monsieur, vous êtes égaré? Comment? Vous êtes en panne, vous êtes égaré, c'est ça? Ah non, du tout, c'est une commande spéciale. Ah, je pense que ça doit être moi qui vous l'ai fait. Vous pouvez monter. Vas-y, monte. Elle monte de l'autre côté. Je suis comme toutes les filles, hein, j'arrive du prince. Tant mieux. Si, ni plus ni moins, t'as mon cœur entre tes mains, tu vois. Donc après, t'en fais ce que tu veux, mais... T'inquiète, je vais en prendre soin. C'est... Parce que je sais ce que ça fait d'être blessé. Je vais pas te mentir. Et j'ai pas du tout envie de te blesser.